Salut Jean, c'est Slane, on se retrouve sur Open Universalis 4 avec la Horde et on est en train de prendre le mandat pas très célestement. On se fait plaisir, on va descendre sur Ning, sur Xi, et donc va rester un petit le Yan, le Shen, le Wu et le Shu. Le reste, on devrait être capable de presque de bien entamer en tout cas. Voilà. De bien entamer. On aura aussi après l'opportunité, je pense, bientôt de descendre ensuite vers là. Hein. Faudra descendre, se servir. Il n'y a pas de raison. Le Japon, je n'ai pas trop l'intention de débarquer chez lui. J'ai pas envie de faire des bateaux, tout ça, c'est compliqué. On en a déjà plein de l'autre côté. On ne peut pas en avoir partout autour du monde. Puis les chevaux sur les bateaux. Ça reste exceptionnel. Mais on va quand même envahir l'Angleterre parce que moi, je vois bien ravager l'île anglaise. Hein, on est les nouveaux Vikings, après tout. Allez. On va se mettre en place tranquillement. Ah bah lui, il n'est pas venu. C'est quoi ça, c'est le Wu? T'es en guerre contre Ming et Tuning. Ah bah oui. Ah bah oui, tu te fais plaisir. Ah du coup, on va peut-être pas attaquer Ming. On va attaquer Shen. On verra ce qu'il reste de Ming après, parce que là, c'est clair qu'il va se faire plaisir. Ah, on a un bonhomme libre. Bah, ça tombe bien. Ça tombe bien, bonhomme libre. On pourrait prendre celui-ci. Oh, 85%. Waouh. Ouais, on va venir là. Parce que c'est là qu'on a le plus. Et on transfère ici. Alors lui est censé augmenter nos alliés. Les Mamelouks. On va leur offrir l'accès militaire et on va leur demander l'accès militaire. On se sentira mieux l'un l'autre. Neuf, trois, huit. Allez, j'ai hâte d'aller piller encore un petit coup. Treize, c'est peu, Burke. Allez, déclarer la guerre. Sayerg Yu Rai. Sayerg, je coche. Yu. Je coche. Rai. Je coche aussi. Et c'est parti. C'est reconquête de la part de qui? Cam. Ah, rigolo. Allez, on y va. Maintenant, tu sais quoi, tu vas faire celui-là en passant, toi. Moi, je vais aller en You. Ou en Wei. Voilà. Tu vas là-bas maintenant. Ah, là il y a quelqu'un, tu vas où toi? En Yangzhong, c'est super. On enverra quelqu'un en Sayergue plus tard. Ou toi tout de suite? Non, toi tu vas aller en Xong puis là. Et toi tu vas aller en Xong puis là. Attention, ça va piquer.
Ben voilà, ça a piqué. Toi là, et les 10 000 là. Toi c'est pareil. Tu vas lâcher tes 15 000. Voilà. Voilà. C'est pareil, tu vas lâcher. Hop. On va rester quand même un petit peu groupé. Ah, il reste que 6 000 hommes. Oh, mais c'est dur. C'est dur de lutter contre l'envie de bailler, hein. Ah, oh non, mais je viens d'arriver là, c'est dégueu. Sérieux, tu trouves ça drôle? C'est lamentable. Il est où le fun? Allez, on va prendre tout ça là. Bon, on va continuer, hein, voilà. Oh, j'ai perdu un super général. Ou pas. C'est lequel? Oh, c'est celui-là. Eh ben, on va remplacer par un 6-3-6-3. Durvi qui est la nôtre. Là, ils ont gagné. Pas eu le temps d'arriver. Ça me fait penser alors que je peux booster encore un petit peu, pas beaucoup. Pas vraiment, vraiment. Puis on va pas dépasser. On dépense déjà assez d'argent comme ça. Allez. Oh. Juste à côté. Bah celui-là, par contre, autant dire qu'elle n'aura pas eu le temps de visiter du pays. Voilà. C'est bien ce que je disais. Bon, bah là, du coup, tu vas attendre tes petits compagnons de route. Un qui va là. Un qui va là, un qui va là. Voilà. Nous y voilà. T'en as envoyé personne en Dazou. Bah va en Dazou. Allez, de séparatisme. Mais oui. Mais oui. Ah, mais oui, complètement. Donc là, faut reprendre. On va reprendre parce que là, Samarcande, ça progresse plus à tous les coups. Allez, on va aller là. C'est parti. Alors si j'attaque le Ming, il se passe quoi? Je coche Tuning et Yi. Ça me paraît bien. Si je coche le Yi, il se passe quoi? Ah, il y a le Chou qui vient. Si j'attaque le Yi, je peux cocher le Chou et le Mongnao. Ce serait plutôt une belle guerre, hein? Pourrait continuer comme ça dans la foulée jusqu'à ce que tout le monde soit énervé. Faites tout prendre. Tout, 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 tout. On reste dans le coin, puis on prend tout. On descend, on fait une guerre là, une guerre là, une guerre là, puis après une guerre là, puis une guerre là. Et on prend tout, 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 absolument tout au fur et à mesure.
et on rase tout. Je suis sûr que ça vous excite rien que d'y penser vous aussi. Ou alors c'est juste moi qui suis malsain. Mais allez. Il y en a bien qui ont envie de tout raser, tout prendre. Voilà. On va nettoyer ça vite fait. Alors, bon, bah 28. Je pourrais donner ça et je dois garder ça. Ou ça, je sais pas quoi en faire. Je pourrais peut-être pas le prendre. Mais je veux pouvoir redistribuer, donc... Bah, il meurt, hein. Faut pas donner mes précieux points pour un petit bonhomme, hein. Alors, on en est où ici? 1603, 45, ça sera un peu tendu. Et comme je suis jusqu'à 76, faudra probablement refaire quand même. C'est quoi ce siège? D'accord. Voilà. Je suis à combien là? 59. Oh. Je sens que ça. Bon, on y va. Bah, on y va, on y va. Il manque pas un petit bonhomme? Ah bah si, il manque un bonhomme ici. Voilà. T'es trop tard, Transoxiane. T'arrives en retard. Recherche militaire inepte. Bah non, du prestige au moins. Allez. On se donne rendez-vous en Lagda. Oh bah. Puisque ça s'est fait, on va aller à l'autre. Hein. Alors ici, You, est-ce que je peux prendre les deux? Ouais, je peux prendre les deux, c'est trop la classe. Bon, on va aller chercher la deuxième. Pour l'instant, on va s'arrêter ici. Sûrement là-bas, tiens. Ça va être bien. Il y a encore 5000 hommes qui se baladent. Où qui sont? Bon, on saura pas. C'est le suspense. On va aller se mettre là-bas. Du légalisme. Ah, il nous avait pris un truc, le méchant. Horde d'or, père, c'est quoi de faire? Non, tu reçois rien du tout de faire. Ah non, Transoxiane. Faut arrêter, hein. Vais pas m'en sortir, hein. Surtout que je peux valider le but du let's play. Il y a deux buts au let's play, valider toutes les missions, machin, là. Progresser, devenir la horde de la horde de la horde. Et puis le deuxième but, c'est quand même d'aller ravager toutes les terres jusqu'en Espagne. Je sais pas si je pourrais le faire. En ligne droite, hein, de préférence. Comme Attila, quoi.
Ouais, tu me donnes tout. Merci. Sayerg. Voilà. Hop. Voilà. Je suis à combien là? Normalement, je suis pas trop en dépassement là. À 91 quand même, ça picote, hein. C'est bien, en tout cas, ça dépasse pas. On va attendre que les deux soient revenus. Puis on va faire la paix avec Vaille et Xi. Voilà. Voilà, c'est bon. Veille. Il y a sûrement des coalitions, tout ça, hein, patati patata. Hein. Ouais. Ça me plaît pas trop ça. J'aurais voulu pouvoir rejoindre l'autre. Mais en même temps, je me dis que je vais rien pouvoir gagner pour garder pour moi, donc pas mal ça. Au pire, je peux donner à lui si ça se passe mal. Hop là. Et hop. Bon, on pille un peu, hein. Mais c'est bon enfant, quoi. C'est très bon enfant. C'est pour le fun, quoi. C'est pour le plaisir de voir les trucs brûler, quoi. Alors, où en est-on là? 192, c'est tout? Il y a un problème. Ça n'a pas été recalculé. Bon. Ning. Quoi qu'il en soit, Ning, je t'accorde. Xuan. Zhaoqing. Et Lianzhu. Ensuite, Cam. Cam, mon ami. Je t'accorde. DG. Alors évidemment, tu me détestes parce que j'ai pillé tes provinces, mais je te les rends. Pillé, mais rendu. Dark Zedo. Je suis à combien là? Est-ce que je peux garder le reste? Cent douze. J'aurais pu garder le reste si j'avais eu la patience d'attendre jusqu'au 22 décembre. On est quand même qu'au 9 septembre. Donc on va t'en donner un petit bout encore. Voilà. Qui c'est qui est gentil, hein? Ah, et puis encore un petit bout. Voilà. Si t'es mignon, t'auras tout. Jiazhu. Ouais, là c'est quoi? Luzou et Bouzou. Ça fait 4 et 3, donc faut donner les deux. Pile poil, pile poil, pile poil. Et comme ça, moi je garde juste ça. Alors, Cam. Luzou Bouzou.
Nous y voilà. Normalement, 98. Mais c'est tout beau. C'est tout beau que je peux attaquer maintenant. De Xy, ça m'étonnerait, mais le chou. Ah, ça emmène le Xy et le Yi. Le Yan. Ça emmène le Wu. Ah, voilà qui est bon. Allez, on déclare la guerre au Yan. Comme ça, il prendra que d'un Looming. Et puis, le Wu, il va prendre moins. On va le défoncer. C'est le Ming qui va gagner sa guerre ou pas, ou ça sera moi. On va faire Yan, Wu, Ming. Et Yi. Et comme on coche Yi, ça emmènera le chou. Non, on va cocher chou, Ming. On va cocher chou, déclarer une guerre à chou, déclarer une guerre à Ming et déclarer une guerre à Yan. Ça fait trois guerres à déclarer en même temps. C'est dégueu. C'est dégueu de faire ça, mais bon. Faut ce qu'il faut. Voilà. On en est où là? Ouch! Ça pique un peu. Faudrait faire quelques tribunes aussi, j'ai l'occasion. Bon, en tout cas, on va déclarer la guerre au Yan. Tout de suite. Voilà. Hop. Et on retourne tout de suite libérer le Ming. Voilà. Quoi, je suis coincé de quoi? Allez hop, on y va. On ne sort pas de la guerre tant qu'on n'a pas fait la paix avec le Ming. Du coup, hop, on va tout de suite ici récupérer les trucs sur le Ming. Allez, Zou, c'est en moi. Ça va, le Wu, t'es fort quand même, hein, t'as 50 000 hommes. Non, en fait, je sais pas trop compter en vrai. Allez. On va aller se mettre là-bas, sur ta capitale. On va libérer le Ming. Enfin, entre guillemets, libérer le Ming, bien sûr. Il s'agit juste de transférer à titre de propriété. C'est quoi ça? Des séparatistes You. Allez, on va les déséparatiser. Ah, ils sont 1,6, c'est pas comme si ça comptait. C'est quoi ça? Ils vont pas venir m'embêter au moins. Qui c'est qui veut exploser là? Les séparatistes Shun, bah voilà, on va les déchaîniser. On va aller dans le coin. Donc, maintenant que j'ai déclaré cette guerre-là, c'est laquelle autre que je dois déclarer? Ah ben maintenant c'est celle au Ming que je dois déclarer, c'est ça? Tout à fait. Et je coche le Yi ou pas? Non, je le coche pas. Et le Tungning, je le coche ou pas? En fait, je peux le cocher, oui. Voilà. Donc là, on va reprendre. Et on revient. Et là maintenant, on siège pour nous. Ouh, je peux propager. Je propageons. Du coup. Les Shun ont pété. Ils sont sur un fort? Non. Ouais, du coup, je vais y aller tout de suite avec lui. Et toi, bah, tu vas venir faire la guerre, sûrement contre le chou, le temps que t'arrives. On en sera au chou. Hop, là, je suis un peu déçu, j'ai oublié d'aller tuer lui. Du coup, je vais me dépêcher. On va mettre la botte pour arriver à temps. Voilà, on a remporté ce siège-là. Bon, on va continuer à siéger, hein. Hop, ici.
Voilà, comme ça sera fait. Mets la botte, pareil. Oh là, j'ai eu des pertes. J'ai perdu 1200 hommes. Alors que lui n'en perdait que 22 000. Nom de Dieu. Ma pauvre manpower. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Non, c'est trop rien. Tu vas où, toi, précisément? En effet. Eh ben, c'est bien. Au moins, on pourra dire que t'auras effeuillé. Et coucou! C'est Bibi. Ah oui, ah bah oui. Ouh, il y a 15 000 Ming et par contre, bah vous, il avait 40 000, mais il a plus 40 000. Ah, où qu'ils sont tes 15 000 Ming? Oh, ils sont là, les méchants, il y en a 9 000 déjà là. Donc viens, on va d'abord aller nettoyer. On va se mettre là. Sur lui. Ouais. Voilà, ça c'est fait. Pour enlever la botte, on n'est plus trop pressé hein, dans le coin. Toi un petit peu par contre, si tu pouvais t'arrêter là. Et mettre la botte pour aller voir là-bas si j'y suis. Quoique non, il n'a pas l'air pressé de s'en aller, donc tu l'enlèves. Est-ce que j'ai la botte? Non, j'ai pas la marche forcée, c'est pas encore. Voilà, hop, ça c'est bon. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Bon, on va prendre des trucs. Hein. Hop là, oups. Pardon, bah, je vais rester là, tiens. Le temps de faire le taf. De toute façon, on est d'accord que... Ouh, il y a encore 11 000. Tadam! Celle-là, c'est très violent. Ce qui se prépare. Je ne sais pas comment affronter tout ça. J'ai l'impression qu'ils sont partis se cacher là-bas. Que je les aurais jamais, les gars. Hop là. Ouais, c'est bien de convertir, ça me dérange pas. On va avoir un petit pourcentage là. On a une troisième guerre à déclarer contre le Chou, on va être prêt à la déclarer, je pense. Alors le Xi vient. C'est cool. On va prendre ça aussi. C'est sur le chemin. Hein. Je pourrais peut-être me diviser en quatre pour aller récupérer tout ça là. Voilà. Et là, je peux pas passer, évidemment. Allez, le siège d'Hangzhou. Ouais. Un là. Un là. Au hasard. Hein. Un là et un là. Total hasard. Hein. C'est tombé comme ça. L'industrie du parfum. Tiens, on a nettoyé ici. Voilà.
Ah bah oui, encore un. Et encore un. Et encore un. Oula, il m'emmène plein de monde, lui, hein. Attention, hein. Plus de nobles dans l'armée. Ah bah j'ai pas eu le temps de venir là. Ouais, bon bah tant pis. Peut pas être partout, hein. Ici c'est occupé, ici c'est occupé. Donc il faut que je descende là. Là. Et là. Voilà. Là on fait quoi là? On n'a pas un truc plus intéressant à prendre? Si on peut les prendre deux fois. Voilà. Bon, et puis bah, nous, on va s'arrêter là, hein, cette triple guerre qui nous emmène contre bah, tout ça. Avec pour objectif bah, de prendre tout ce qu'on peut. Il n'y a pas de tristesse à avoir. On va aller chercher tout ce qu'on peut prendre. Et puis, bah, on verra bien l'expansion agressive qu'on aura contre des petits pays là. Mais je pense enchaîner, hein, je pense descendre. Je pense continuer, je pense attaquer le Luang Prabang juste après, le Ayutthaya, Champa, Tonkin, Mompa. Allez hop, on y va. On y va. Tout ça va être dans la foulée, le Hava. On s'arrêtera bah, quand ça sera l'heure de s'arrêter, quand il y aura des trêves avec tout le monde, qu'on n'aura plus personne à cibler. On fera alors demi-tour, et puis, ou alors, on enchaînera. Si on a réussi à passer, on enchaînera sur Bengale. Parce que là, c'est pareil, hein, je me sens prêt à attaquer là-dedans à gogo. Et on reviendra plus tard sur l'Europe, mais avec bah déjà une épine en moins derrière, une épine dans le derrière, du coup, en moins, puisque les Chinois, coalisés ou pas coalisés, seront beaucoup moins puissants après notre passage qu'avant notre passage. Merci d'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu. Et à tout de suite pour la suite.